Je répète, les rations ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Allez, on va retrouver le vieux. Papa! J'ai appris pour l'attaque. Vous allez bien? Toujours. Marchons un peu. Papa, ils exécutaient des civils. Je sais. Leurs unités raflent des vagabonds et des pillards pour trouver un moyen d'entrer dans la ville. C'est comme ça qu'ils ont pris Dallas en une seule nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Papa? Écoutez, les garçons, vous êtes tout ce qui me reste dans ce monde. Papa, écoute. Mais vous êtes aussi les seuls en qui j'ai confiance. Hé, écoute. Quoi que ce soit, Logan et moi, on est prêts. Vous allez tous les deux dans le No Man's Land. Quoi, vraiment? On est restés passifs bien trop longtemps. Alors je vous envoie tous les deux derrière le mur. Vous allez rejoindre une autre équipe, vous rassembler des renseignements sur l'ennemi, et après ça, vous rappliquer en vitesse. Et où est-ce qu'on va dans le No Man's Land? Dans un endroit que vous connaissez mieux que personne. À la maison. On l'appelle le No Man's Land. Des terres dévastées s'étirent de Los Angeles à San Diego, depuis le jour où l'Odin s'est retourné contre nous. Les plages et les spots de surf de mon enfance sont maintenant des terrains minés, à l'abandon. Papa nous a dit que peu de soldats opéraient dans le No Man's Land. C'était trop dangereux, imprévisible. S'il nous a envoyés ici, ça doit être important pour lui. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est encore un test. Une leçon qu'il veut nous apprendre. C'est allumé? Ok, je crois que c'est bon. Balayage du secteur. Contact. Une patrouille ennemie approche par l'ouest. N'attaque pas. Laisse-les approcher. Prépare-toi. Vas-y. Bute-les! C'est bon. Trois groupes en 30 km. Ouvre l'œil, il y en a peut-être d'autres. Vous me recevez? Bien sûr, Viking. On signale pas mal de manœuvres ennemies dans le secteur. Prudence. On n'a pas beaucoup de temps. Récupérez les infos et filez. Bien reçu. C'est bon. Hé hey, vise-moi ça. Je pensais pas le revoir un jour. On ferait mieux de pas rester là. C'est pas comme dans tes souvenirs, hein. Ça me file le cafard de me retrouver ici. Allez. Regarde où tu poses les pieds. Logan, synchronise-toi avec Riley.
Synchro avec Rayleigh. C'est parti. Gilles est synchro avec le signal de ta caméra. Ça t'aidera à l'idée. Partout où tu iras, il te suivra. Je vois deux ennemis devant. Attends qu'ils se séparent. Le plus proche, élimine-le en premier. Signale d'importantes manœuvres ennemies devant vous. En vous dépêchant, vous devriez pouvoir les intercepter. Bien sûr. On y va. Véhicule en approche, va à droite. Nous
Doucement, doucement, laisse-les passer. Parfait. Attends. Un traîneur à droite, à 2 heures. Élimine-le. Bon chien, Riley. Baisse-toi et suis-moi. Bingo. Stalker, on aperçoit un énorme camp ennemi devant nous. On va l'inspecter. Synchro avec Riley. C'est parti. Ok, y a pas mal d'ennemis dans le coin, alors on y va doucement. Explore le coin, essaie de trouver quelque chose. N'oublie pas, avance doucement et laisse Riley caché dans l'herbe. Ça devrait aller. Il est mort. Ok, on est entré. Faut découvrir ce qui trafique ici. Reste caché, t'as alerté un des gardes. Ok, on y va. Le gars sur la remorque, tu le vois. Zoom, voyons ce qui se passe. Hey, tu vois son masque. Ça fait plaisir de te voir, Rock. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu ne tiendras rien de moi. Oh, c'est vraiment dommage. Tu croyais quand même pas que ce serait aussi simple. Toi et moi, on a beaucoup de temps à rattraper. Emportez-toi à la base de tir de Charlie. Et lui aussi. Opération retour au bercail se poursuivra comme prévu. Base de tir Charlie, opération bercail. Bikin, quelle est votre position? Ramenez vos pas de course si vous voulez pas rester coincé. Bien reçu, on se met en route. Tu marques le point de ralliement. Reste pas là avec Riley, on se retrouve à la sortie. Il est vers le point de ralliement au sud. Reste caché, t'as alerté un des gardes. On est repéré, désolé. Bon chien, Riley. On y va. Stalker, on se dirige vers votre position, attendez-nous pour commencer la fête. Riley, au pied. Wow, wow, doucement. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui se passe, mon beau? Oh merde. Vous êtes paumé? On n'est pas paumé. On vous cherchait. Capitaine Merrick? Walker, vous avez quelque chose qui m'appartient. On a croisé des fédérés qui ont mené un type à la base de tir Charlie.
Un ami à vous? Ouais. Ajax. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez rester avec nous, mais vous faites ce que je dis quand je le dis, compris? Bien, chef. Surgissait de l'ombre et s'éclipsait dans la lumière. Derrière le mur, leur réputation s'est répandue dans le No Man's Land comme un voile de terreur. Une arme bien plus efficace que le plomb ou l'acier. Merrick et Keegan, les deux hommes dont mon père m'avait parlé. Les Ghosts. Et quelqu'un osait s'opposer à eux. Ils étaient en route pour San Diego, en territoire fédéré. Pour trouver Ajax, l'un des leurs, les Ghosts. On ne les avait jamais vus, mais on voulait à tout prix les rejoindre. Bien. Fusil télécommandé activé. Balayez la zone. On doit repérer Ajax. Zoom sur le stade pour avoir une meilleure vue. Là, à 12 heures. Zoom. Juste là, zoom. C'est lui. C'est notre gars. Il le déplace, il faut y aller. On entre là-dedans, il est renfort. Vous êtes là pour quoi, à ton avis? Convoi en approche. Prends ce lance-grenade. Prends ton temps pour viser. Faut les déclencher pour que ça explose. Ils arrivent. Marque les camions. En plein dedans. Coup au but. Le convoi est passé. On y va. On dirait qu'il s'emmerde. Il prépare quelque chose. Allez, on monte! Somme-t-il.